60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui accro tout comme vous, ça vaut présentement 70%. Bonne écoute. Potom, potom, 70% pour ça. On est en onde. En fait, ben oui, on est en onde, mais ce soir, comme on est tranquille et qu'on s'est retapé ça, en fait, on vient de vivre une aventure assez particulière. Moi, Sieur du Corbin, l'éditorialiste, journal, journaliste, éditorialiste, et voilà, et homme sensible. Et flipper de boulettes. Et voilà, oui, je parle à Bruno en direct du barbecue. Oui, c'est Bruno en direct du barbecue. Je suis en train de... j'ai fini mes hamburgers, là, finalement. J'ai décidé que c'était assez, là. Il y avait assez cuit. Si tu me permets, Bruno, on appelle ça des cheeseburgers. Oui, c'est vrai, excusez-moi, parce qu'ils sont maintenant munis de fromage. Oui, voilà, un petit peu de rectitude. Sinon, on est à 70%, c'est sûr, vous regardez Martin Drainville dans le plus grand rôle de sa vie. On savait pas trop quoi faire. On a fait les coins ronds parce que veut pas, 70%, ça fait depuis 2005 que ça existe. Et quand tu te donnes le mandat de donner ton strict minimum, à un moment donné, tu débordes, puis on a rattrapé, je pense. Fait que là, comme c'est les 5 ans, on n'a pas beaucoup dormi, on a beaucoup écouté Deux Frogs dans l'Ouest, on a beaucoup écouté Vibration pour se préparer pour le film de ce soir. Là, hein, on est rendu à Angelo, Fredo et Roméo. On met ça en background, on parle de la vie. Tout le monde ici, moi, je suis en compagnie de toutes sortes de gens. Il y a Marianne qui a un micro à sa disposition. Bonjour à tous. Et voilà, charmante caméraman et celle qui a organisé le party d'hier. Merci beaucoup, Marianne. OK, je te garde dans le collimateur. Je pense que tu vas m'aider pour faire le téléthon dans ce qui s'en vient. Ouais, puis je pense qu'on va avoir des recrues spéciales aussi cette année. Là, il y a Elvis qui veut faire un retour. Oh! Ça va être fort. Il y a PJ. Il fera pas de vieux os. Hey, salut! Et voilà, il est en train d'être heureux, gratuit. Yeah! C'est ça, c'est un chroniqueur on the side qui a une bouteille de rhum qu'on est content d'inviter. C'est notre préposé au rhum. Et voilà le préposé au rhum. Derrière toutes. Et voilà, merci PJ. On te prend pour acquis en onde, mais tu sais, quand on est en privé, on... Merci beaucoup. Julien Bernatchez, toujours fier, toujours droit. On parle souvent de Martin Drainville, mais pas assez de sa sœur qui joue dans Radio Enfer. Voilà, t'as raison. Radio Enfer, qui est un des plus gros hits de la télévision mondiale, ça l'a compétitionné Baywatch pendant 12 ans, ça. Radio Enfer, oui. Ça repasse, sinon, là, sur le câble, hein, puis ça a super bien vieilli, hein. Ça a super bien vieilli. On pourrait même pas dire que ça l'a vieilli. Ben, en fait, tout est temporel. À l'air de Martin Drainville avec du rouge à lèvres. C'est ça, ben, tous les acteurs étaient déjà passés la puberté, fait qu'il n'y avait plus vraiment... Ouais, dans saison 6, on a un peu débordé, peut-être. Wow. Et voilà. Moi, j'ai ma voix de post-karaoké en passant. Ah, ça a brassé hier, mon Julien. Ça a brassé pas mal. Je suis content de te voir aujourd'hui, parce que quand les Valkyries t'ont ramené après le party, je pensais que vraiment tu t'en allais ailleurs pour toujours. Il était parti pour le Ragnarok. Finalement, c'est ça. Non, finalement. S'en aller au Valhalla parce qu'il est mort sous, là, mais non, finalement. Je suis rentré chez nous, finalement. Ah, c'est le taxi. Un peu plus plat. On a Emmanuel Côté-Séguin, on le reconnaît. Salut! Ouais. Puis? Ah, tout va bien. Je vous ai fait un petit épilogue aux aventures de Gaetano, histoire de clore la boucle, fermer le tout, puis après ça, ben, on repart sur des nouvelles aventures par après. OK, maintenant, toi, t'es au courant que la dernière fois, quand Gaetano est mort, j'ai pas aimé ça, là. Ah, non, je suis pas au courant. Ça nous prend un champignon, ça nous prend un... si je t'envoie une phalange, à un moment donné, tu nous... on peut pas, là, on met notre doigt dans le livre quand on joue à des livres dont vous êtes le héros. Bon. Puis c'est pas... Je te parle pas juste de Gaetano, là, t'es égoïste, là. Ben c'est... Il y a Gunther, il y a la femme de Gaetano. Ben c'est pour ça que j'ai fait un épilogue, Tommy. Ben, va tout revenir, la boucle va se boucler, tu vas voir, tout va bien aller. Mon cœur qui saigne, Emmanuel. C'est ça, ben, on va le guérir un mot à la fois. Et voilà, puis d'ailleurs, je suis content que tu sois là, ici, avec nous ce soir, parce que toi, t'es un des bénévoles qui pivotent autour de manière périphérique. T'es comme une comète, tu sais. Ouais, c'est ça qui est écrit sur ma... La comète, elle passe proche du soleil à période régulière. C'est ça qui est écrit sur ma carte, ouais.
satellite positif. Satellite, ouais, positif, quelque chose comme ça. Tu veux dire, dans le temps, tu as changé ça pour quelque chose d'autre? Non, non, la carte est juste perdue en quelque part. Ouh, elle gagne de la valeur ouais, dans un ouais, coin. Ouais. Une carte unique. Parle-moi de moi hier, en fait, pour le party des 5 ans, les anecdotes qui revenaient le plus, c'était sur le party des 1 an que Evelyne, moi, Sarah, ouais, tout le monde en avait organisé. C'était beau ça. Ouais, ouais. Ouais. As-tu un souvenir en particulier là-dessus? T'aimes mieux qu'on j'aurais parle de ta mère? J'aurais dû mettre un jackstrap. C'est la ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal ce que je retiens parce que pour ceux qui étaient pas là, on va le dire vite vite là, j'étais allé lire un texte de constructivisme ukrainien. C'est qui, Georges Lukács. Exactement. À ne pas confondre avec Georges Lukács. Et voilà. C'était un théoricien. Je me rappelle qu'il y avait comme une espèce de quiproquo. Puis moi, je t'avais demandé de mêler du Bourdieu. T'as dit, j'ai mieux. Ouais. Et c'était mieux. Fait que moi, c'était pénible. Puis j'avais mis mon casque de football, tout ça. Puis le monde pouvait, pour la première fois et la dernière, lancer des projectiles sur un être humain. Mais j'avais négligé mes parties les plus importantes, c'est-à-dire mes couilles. Mais... Puis ouais, j'en ai reçu un pas pire. Tu te rappelles-tu de qui? Non, j'ai pas spoté, c'était hey, qui. Chris, non, mon gars, ça pleuvait. Oui, ça pleuvait. Pendant que toi, c'est tu une avalanche. Ça, moi, c'est un des plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu avec DJ George. On était en train d'essayer de plugger son ordi pour qu'il fasse le DJ entre les shows qui s'en venaient. Puis il tombait tellement de projectiles qui convergeaient. C'était pareil comme dans 300. Enfin, ah ouais. Quand le ciel s'obscurcit. Alors nous dînerons dans l'ombre des flèches de des ennemis. Exactement, ouais. Exactement. Puis tu sais, nous autres, moi puis Étienne, on est des professionnels. On en a vu d'autres. On est au Vietnam. Tu sais, fait que là, les projectiles rebondissent partout. T'en reçois un sur le coin du front, mais t'as pas le temps de souffrir. Là. Non. Faut plugger le portable pour faire passer des cossins. Tu sais. Oh non, ça a été un excellent moment. Puis hier, un moment marquant. Le moment que je suis arrivé, là, genre à 1h30 du matin, là, qu'il restait plus grand-chose. C'est là. Humble, ça. Ouais, pareil, ben, ça m'a marqué, les autres, j'étais pas là pour les vivre. Fait que... j'avoue. Je travaillais tard, qu'est-ce que tu veux. Sinon, attends, non, c'était spécial. C'est comme humble, mais pas pantoute. Non, non. Ouais, j'aime ça. Je me prépare pour le championnat du monde d'humilité la fois qui s'en vient. Ouais. Oui, ouais, on va avoir les meilleurs champions de tous les pays, les plus humbles. On va avoir, ils vont venir. Je suis vraiment pas bien qualifié pour gagner ce prix-là. Très bonne attitude. Très, très bonne attitude. Déjà, tu places le terrain, il y a peut-être des juges qui entendent. Ah. Moi, hier, en fait, une affaire que tu as manqué, et je veux le dire, je vais le redire, je vais le dire souvent. Dili dadada. Tu sais, c'est pas beaucoup de bruit d'affilée, mais tout le monde sait c'est quoi ça veut dire. ça sent bon ton burger, Bruno. Est-ce qu'il l'a fait? Mais elle est plus proche du micro, on va le sentir. Attends, je baisse le bruit du film. Moi, ça m'écœure un peu. Pas en tout. Non, non. En fait, il y a la consistance dans sa mastication du cheeseburger. Ah oui, non, mais c'est clair. Puis on entend aussi pas les. Ah, tu prends pas une bouchée de bière là-dessus? Une bouchée de bière. Une bouchée de bière. C'est une Lunibrou. Ouais, faites bien d'écouter ce que vous voulez. Gang de précieuses. Bruno, toi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pas grand chose. On a regardé Angelo, Fredo et Romeo. Pas juste ça, hein. Pendant qu'on dormait, moi j'ai mis Inspecteur Gadget 1 et 2. Ouais, je me suis réveillé sur le 2. Dans le 2, en fait, le 1 était tellement une réussite qu'il n'y a aucune des personnes qui y a participé qui voulait être dans le 2, qui est sorti straight to vidéo avec l'acteur utile qui était dans Third Rock from the Sun, là, qui était lettre. Là. Dans le 2, abstiens-toi. Mais ça, Bernatché, pour vrai, là, on est rendu à un Inspecteur Gadget, d'avoir une trilogie d'Inspecteur Gadget. Il y a quelque part qui y pense aussi. Et puis le 3, c'est toujours trilogie, le meilleur. Moi, je pense que, comme j'expliquais à Bruno peut-être tantôt, les 3 avec c'est acteurs une différents. Des plus belles choses de la vie présentement. C'est 1 plus 1 plus 1 égale 4. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très beau. C'est vrai, ils sortent le box set spécial avec le disque de supplément. Et le disque de supplément, c'est souvent la marque de l'anti-swing du réalisateur, donc tu n'as rien à... Ouais. Le seul réalisateur que j'ai eu pogné des commentary tracks puis que je trouvais ça intéressant là,
Là, je dis pas que mon opinion est vraiment construite et utile là-dessus, parce que d'habitude, je m'en crisse, là. Je veux dire, le commentary track que j'ai le plus écouté, c'est celui de R. Kelly, Trapped in the Closet. Parce que. À chaque fois, tu sais, parce qu'il chante tous les personnages, puis à toutes les fois, il nous présente le personnage qui est très vide, qui s'en vient, et il nous explique ce qu'il va chanter après. Oh. Donc, tu sais, des commentary tracks, il faut que tu apprennes de quoi au monde. Et mon préféré à vie, moi, personnellement, il y a celui de Bonzaillon, dans lequel Danny Gilmore nous rappelle que son film n'a coûté que 10 000 $ à produire. Oh. Ouais, tu savais, ça a coûté seulement 10 000 $. C'est un film fait à bout de bras, contrairement à bien d'autres films. Je pensais que légalement, on n'avait plus le droit d'en parler. Hein. En fait, la réponse officielle que j'y ai dit, parce qu'il y a eu une rixe, c'est peut-être plus le mot, entre douteux.org, c'est entre Bruno Benoît puis Sieur du Gilmore. Moi, je regardais ça, puis j'ai intervenu comme juste à la fin, tu sais, parce que c'est ça, là. Je trouvais ça drôle. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai utilisé mon vernis officiel, puis j'y ai dit, nous sommes désolés de l'attitude que vous prenez face à notre traitement de votre œuvre. Veuillez être assuré du fait que nous sommes amoureux de la diversité. Nous aurions été contents de présenter gratuitement à une foule qui ne le connaissait pas votre film. Merci. Bonne fin de journée. Et voilà. Donc, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de Danny Gilmore. Le cinéaste. Moi, j'en ai réentendu parler, mais je ne l'ai pas réentendu parler, lui. pas à TV, en tout cas. Ouais. Pas de ça non plus. Ouais, il y a pas cinéasté non plus, mais je parlais pas de ça, en fait. On parlait de... De la trilogie. On parlait de commentary track. Exactement. Il y a celle de Weird Al Yankovic dans UHF que je trouve excellente. C'est ma préférée, c'est la seule. Puis c'est la seule que j'aime parce que ça m'apprend des affaires sur le film que j'étais content d'apprendre, mettons. Pas comme, mettons, dans Danny Gilmore que j'apprends que le film... En fait, il répète ce qui était sa pochette, là. Je vais remonter un petit peu le son de Angelo, Fredo et Romeo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'excuse, Julien. Je m'ennuie déjà de la... Il est où ton rhum, PJ? Je voulais pas que tu t'en ailles de la pièce. C'était utile. Il est en train de nous... Et puis, j'en gardais un pour la fin, bien sûr. L'inimitable Boudreau, je te prenais pas pour acquis. Là. C'est avec Julien que j'ai vu comme ça. Là. En plus, il a préparé quelque chose, lui. Moi aussi. Hier, je t'ai vu, t'avais l'air triste, ta machine à sous. Ah ouais, ça allait pas bien. Le cœur gros, pis tout. Ouais, j'ai mis une pièce, tu sais. Ouais. Je me suis dit, on essaye ça. Puis là, pourquoi t'as mis tes lunettes de soleil, là? Je suis plus à l'aise comme ça. Comme Luc Plamondon, ouais. Mais pas fif. Mettons, non, jamais. Moi, je trouve ça très, très gay. Très, très gay être fif. Regarde. Je trouve ça très gay être fif. Tu sais, je suis scrap en crise, mais je pourrais t'en calisser une, pareil. J'avais la même attitude avec la main hier. J'avais pété à la fiole. Là. Mais c'est les lunettes qui font ça, c'est un personnage. Non, moi c'est parce que c'est un prestidigitateur. Quand je te parlais encore de moi, je suis super égocentrique. J'adore ça. C'est-tu le même qui avait fait partir... Mettons que t'étais pas toi, là. Qu'est-ce que tu penserais de toi? Oh, comme ça, attends. tellement d'affaires en même temps, pas grand-chose. Ça dépend de quel point de vue ça pourrait être inexistante que t'es. Ça pourrait être flagada. Ah, peut-être. Flagada Jones? Flagada. Non, mais là, t'es allé dans une zone de confort, t'es allé nostalgie, dessin animé, Walt Disney. T'aimes la famille. Non, pas ton père. Oui, ça, c'est sûr. Ouais, mon père m'a tout appris, Tommy. Je sais, t'en parles souvent. Mm-hmm. Que ton fils va bien. Super. On va t'en parler un peu tantôt. Ça doit être. Je l'ai laissé dans sa cage avec 2 semaines de bouffe. Ça fait seulement 2 semaines et demie. Ça va être correct. Ça fait 1 et demi de sevrage, c'est toujours bon, tu sais. Non, mais c'est vrai. Puis quand je le sevre, il mange un peu et il grignote sa couverte. Oh! Tu sais, regarde, quelque part. Il a jamais pensé à se manger le bras? Non, il a jamais fait ça. Non, un doigt seulement. Ah, OK. Un doigt, il aurait été en plein milieu. Okay, ça a fait assez mal qu'il n'a pas continué. Ouais, c'est ça. Ça va être pas fier, mettons. C'est... Il abandonne, là. Ouais, non, il en a mangé une calice. Tu vas finir ton doigt. Tu vas finir ton doigt. Non, t'auras pas de dessin. C'est ton assiette. Mais non, mais papa, je mangeais 2 phalanges, pas mon doigt. Ouais. Il apprend souvent à ses dépens. Ce bras-là, je trouve ça a l'air des restants, moi.
tu mangeras pas ton dessert. Ah, il y a un 70% différent. On vous rappelle que vous êtes en train de regarder des images de Angelo, Fredo et Romeo. C'est un des films pour lesquels... Il n'y a personne qui a envie d'en parler jamais. Sa réputation le précède. Exactement. La légende veut que le grand Thor, le dieu nordique, serait descendu du Valhalla pour venir casser la gueule à du monde qui voulait rentrer. Personnellement. Ah, il y a eu une augmentation de coups de pied au cul cette année-là. Le gars du cinéma Lido de Lévis, d'où je viens, avait offert à ses clients de les rembourser, ceux qui n'avaient pas aimé Angelo Fredo Romeo. Puis Lionsgate, qui distribuait le film, avait tellement pas aimé ça qu'ils ont pu distribuer leur film au Lido pendant plusieurs années. Le Lido n'avait pas eu les boys à l'époque à cause de ça. Il s'est privé des boys. Il a remboursé les gens. Avec toute son intégrité, il s'est privé des boys. Parce que Lionsgate, c'est la gang à Louis Saya, on se leurra pas. Lionsgate, ça c'est Louis Saya. Ouais, mais ça c'est pas le distributeur. Lionsgate, c'est un distributeur canadien. Ils ont un réseau, si t'as le cash, on embarque. Ils font l'Expendables. Ah, oh, c'est ça, ils distribuent les Expendables, ils distribuent... Un des plus grands films d'auteur des années 2010. Ouais, c'est vrai. Les Expendables? Ouais. Ils ont pris tous des acteurs qui étaient comme en voie de changer de carrière et ils ont vraiment créé un happening autour de... Tous des gars de théâtre, hein, je pense. Comment qu'on appelait ça dans le temps? Des Shakespeareens qui faisaient du rôle pas mal. Des acteurs Shakespeareens. Des acteurs Shakespeareens. Comme Jason Statham. Jason Statham, l'acteur Shakespeareen. C'est un acteur Shakespeareen britannique. Il a joué au Globe, lui. Ouais. Gary Busey. Gary Busey. Il faisait Shakespeare in the Park. Gerald Butler. Shakespeare! Voilà. Hey, donc, c'est un 70% comme dans le temps. On est très relax. Le film, d'ailleurs, si sûrement que vous êtes super anxieux de le savoir, là, mais ça s'appelle Vibration, puis on a écouté ça cette nuit, les autres. Je pense que je vais vous garder pour qu'on fasse un comprendre un petit peu différent juste après. C'est bon. Pour l'instant, on va se retenir sur Vibration, mais le film s'appelle Vibration et ça n'a pas vraiment rapport. Je pense que c'est les ondes de son. C'est un science mélo musical. C'est difficile de tomber dans les Claude Rajotisme, folklore, rocko, punko. C'est un science-fiction mélodramatique. Je viens de dire punk, Bruno. À tendance punk. À tendance punk. OK, on en parle. On avait dit qu'on en reparlerait pas, là. On est là. Il y a un gars hier qui a mis une partie d'une manière bien spéciale. Là, on est au karaoké sur... Le bistrot de Paris. Ouais, avec un T. C'est entre une rue puis une autre. Puis là, on fait du karaoké avec l'excellent Giz, que je ferai au moins deux phrases pour remercier. Giz, t'es vraiment génial. Merci d'être venu nous aider. Puis, point. Giz, on va sûrement avoir besoin de toi encore dans le futur, puis t'es cool, hein, Chris? C'est un warrior, point. Écoute. Tu me présenteras ta sœur aussi. Ah, mais ça, c'était pas pour le remercier. Gizette. Ça. Ben non. C'est un petit peu, en fait, à quelque part. Ouais, non, mais attends, Tommy, le gars, il a animé le karaoké, il avait tout fait cette liste pour le soir, puis dans la nuit même, il s'en allait aux États-Unis. Il fourrait. On parlait de moi, là, Marianne. Non, je m'excuse, Tommy. Moi, je suis pas allé aux States, là. Non, je m'excuse. Ouais. Grand Tommy. Non, on dit... Maître. Non, fuck you. Je savais même pas quoi trouver. On dit, hey, PJ! Non, il est parti! Il va venir nous rejoindre au bois, tantôt. Non, c'est parce qu'il est ta mère à cause de sa chaise. Bon, c'est ça. Fait qu'on était au karaoké. Hey, toi, avec tes lunettes noires, si je te dis d'aller dans une pièce en haut, puis peut-être que t'en reconnais pas. Va chercher le rhum. Le film de ce soir, c'est Vibration. C'est un film de 1900. Qu'est-ce qui s'est passé au bistrot de Paris? Ouais! C'était quoi qu'il y avait de punk? Je pensais qu'on était bien partis. C'est quoi, tu chantais une toune romantique? Je chantais la Kiss from a Rose de Seal. A Kiss from a Rose de Seal. Kiss from a Rose. Là, on s'entend que c'est pas punk, ça. C'est malade, il y avait... Now that your rose is in bloom. Un peu sérieux, là. Non, bottez pas un micro, non! Fait que là, Bruno, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, moi j'en... Baby! T'as lancé un baby qui t'a mis tellement rouge, pis tu sais, l'onde de force que micro, il y a un autre micro, il y avait deux micros, il est tombé à terre. Le trépied a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'équilibre.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ben, j'étais tellement... punk? Pris d'une rage punk que ce micro-là m'a scrappé ma vibe. Que j'ai fait, je vais donner un coup de pied dedans. Oh. Puis c'est ça que j'ai fait. Comment il est arrivé dans ta tête entre le moment où tu t'es dit je vais le kicker puis le kick? Vraiment pas longtemps. Ouais, ça a bien été. Hein? L'alcool, ça a été. Comment t'as qu'il y a eu entre je suis sur une vibe punk puis je chante du Seal dans un karaoké? vraiment pas longtemps non plus. Mais ça, je pense que sur un stage. Ouais, c'est flou. Que je sois en train de chanter du Seal ou. Mais c'est une soirée magique aussi. La Bolduc. Il y a Bernatchez qui faisait son agace en étant sympathique avec tout le monde. Et Emmanuel qui arrive fashionably late avec personne. Non. C'est correct. C'est correct. Ouais, c'est bon. Ouais. Boudreau, il est parti tard par contre. Boudreau, il est resté avec nous. Jusqu'à 9h du matin. Chris, oui, hein. Ça, on en parlait tantôt. Je veux pas débloquer là-dessus. Il y a une autre, en fait. On va commencer à y aller vers les chroniques de nos chroniqueurs préférés. Il y a une chanson magique que j'ai découvert hier pendant la nuit. On va en écouter un petit bout là avant de revenir vers Mathieu Boudreau et sa chronique de la journée. C'est vraiment un des lutins les plus conséquents d'Internet. Et quand je dis lutin, je fais autant référence à un concept d'inoffensif et d'intelligence mal utilisée, tu sais. Moi, c'est un mélange des deux, sauf pour toi, Éric Saint-Pierre, qui est venu nous voir. un lutin de la trempe de Mario Benjamin qu'on va écouter là, c'est... Comme on disait toi puis moi, Bruno, tantôt, là, il s'améliore rarement. Non, mettons. il va jamais être meilleur. Chacune de ses tunes est moins bonne que celle d'avant. Et toutes ces nouvelles tunes... sont des retakes, des hommages à ces anciennes tunes. Des hommages à ces anciennes tunes. Donc, on est à 70%. On est relax comme dans le temps radio. Ouais. Mais on peut boire de la bière ici et se faire des cheeseburgers. L'alternative à l'alternative urbaine. On peut faire des cheeseburgers urbaine. À choc maintenant aussi. À toutes les Monsieur fois qu'on parle de... T'es pas obligé de défendre choc, non, Julien. Non, mais c'est vrai. T'es le bienvenu ici. Tu peux défendre ta radio ici. Tu peux te faire des hamburgers pendant l'émission. Impossible. Impossible. Viens nous voir. Ben, je suis allé les 4 dernières semaines. T'as pas vu le grill? Ben, tu n'avais pas. Ben, j'ai pas. On écoute Mario Benjamin. J'ai un secret que ça s'appelle. Si vous trouvez ça bon, parlez-en avec votre mère, s'il vous plaît. On revient à 70% pour une émission pas comme les autres. T'es-tu en crise, Mathieu? Tabarnak. Ben, un petit peu plus comme les autres que je pensais. Mon amour, j'ai un secret qui me hante. Ça sorte maintenant. J'ai un secret que je t'ai pas dit. J'ai tellement de mal à vivre ma vie. Je garde tout en dedans mes émotions. Je veux plus me saouler. Si je continue, babe, je vais y rester. Tu sais, il y a un moment donné que tes intentions, là... Tu sais, à l'UNICEF, tu passais l'Halloween, puis il y avait t'as une petite boîte d'UNICEF, là. Ouais, ça existe encore, ça. Je sais pas, ça. Encore,
Ouais, mais je veux dire, moi, je passe plus l'Halloween. Non? Non. Chris, on ira cette année. Hein? Mais j'essaie de comprendre. Ça a été long à tourner, là. Il y a un changement de plan au long terme. Le montage, les fonds enchaînés. Allumer toutes les recherches chandelles. Sur les séquences de quand tu chantais la même affaire plate, le 15 ans. J'aime aussi l'évolution de la coupe de cheveux, tu sais. Ouais, puis du style vestimentaire en général. Ouais. Exactement, t'as le style bomber, Michael Landon, propre aux années. Et la dimension du que c'était corps, pas important. Puis le style Ed Hardy, douchebag, années 2000. Figurine mint. Figurine mint, j'aime ça, il est pas sorti de la boîte. T'avais jamais entendu ça, c'est le même que ça s'appelle, un faux walk. Ouais, c'est un faux walk. Fait que tu peux bien le payer quand tu t'en vas passer des entrevues, mais c'est aussi intéressé pour avoir l'air un petit peu wild. Un petit peu wild. Je suis certain que ça vient pas de cette planète-ci. Ce qui est pas pire aussi, c'est que il y a comme vraiment un restant d'Eddie Vedderism. Lui, il met pas comme des E-O-R à la fin de chacune de ses voyelles. Il met un E accent aigu québécois bien franc, tu sais. Ben, un Jerry. Exactement. Un Jerry Boulet. C'est son, c'est son héros. Ouais, ben, c'est clair. Son inspiration. Ben, les Québécois, ils disent Marsu, là. Marsu. Marsu. J'ai déjà entendu ça. Marsu, Jerry. Ah, Marsu. Puis, là, on parle, on a du fun, je le sais. D'habitude, on écoute les affaires, on les assume, on essaie de les comprendre. Là, on est à peu près à la même place qu'on était quand on a commencé le clip, qui dure 6 minutes 2. C'est le bout où est-ce qu'il aime vraiment le solo du guitariste. Ouais, ah, il trippe. Oh! Puis il s'en veut de pas avoir appris de jouer de la guitare, non? Là, il sait tout jouer, lui. Oui, il joue tout. Il joue même du verre de vin, on l'a vu sa prise d'avant. Il joue du programme de montage. C'est peut-être même lui qui a composé l'exaguitare. Il est en train de jouer sur son propre X, tu sais pas. Ah, ben oui. Ben, ça fait longtemps qu'il a pas eu l'air d'avoir eu une nouvelle idée fraîche, mettons. Si on se fie au fait que tous les clips qui sortent, c'est des hommages à ses tunes de v'là 20 ans et que son look ressemble à celui de son fils, c'est le fun des lunettes de même aussi. Ça y est-tu déjà arrivé dans le clip de « Oh, j'ai oublié mes lunettes, vite, on la refait ». Ouais, peut-être. C'est lui qui est fait en plus, c'est clips. Vite, on la refait. Matt, à ta prochaine chronique, j'aimerais ça que t'aies des lunettes de même. Ce serait beau, hein? Plaisir. T'aurais l'air avec de avec le mohawk aussi. Ah oui. Faux walk. Ben, excusez les gars, excusez. Boudreau, 1 à 9. Oh, 8. T'as gars, là. 9. À toutes les fois, je te demande de 1 à 9, tu dis 2. Là, je te dis, ben, tu l'as déjà dit, après, tu dis 8. 9. C'est un faux choix, ça. À Bruno, de 1 à 9. 8. 2. Moi, je dirais 2. Je vais t'en amener une pas pire la semaine prochaine. J'en ai trouvé une pas pire. Je mets la 4, Taïa. Mets la 4. Parce que je sais, c'est le chiffre auquel Bernatche pensait. Lucie, t'as mis tes Plamondons? Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est lundi. C'est parce que t'es sous, tu veux pas que le monde y voie que t'as des yeux malades? C'est vrai de ça. Tout ce qui me reste, c'est de la douleur. Oh! Ben, c'est bon. On pourrait faire une chanson là-dessus. Et le générique au clip de Mario Benjamin. C'est la douleur! Ah, ben oui! Fait qu'on subit le générique du clip de Mario Benjamin. Après ça, c'est pas le temps d'aller pisser. Beaucoup de clips avec les pisser. C'est bon, dis-moi. Fait que c'est le temps là. Hey! C'est la première image de toute l'émission. Je comprends que ce soit un mot. Ben non, il y en avait Angelo, Fredo et Romeo. Ben ouais, ça compte. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je sais que tu parles d'image du studio, tu sais. Exactement. Hey, 5 ans. 5 ans, Tony. 5 ans. Ben ouais. 5 ans. Là, tu me parles pas de ton fils. Ben, je t'écoute. Je me souviens, moi et mon fils à 5 ans, il était dans son pic de l'imaginaire, tu sais. Un peu comme douteux, hein, tu sais. On tripe, là, tu sais. Et il parlait tout le temps d'un dinosaure bleu, lui, qui s'appelait Mike. Mike Blackburn. Là, il disait qu'il suivait tout le temps, là, puis que des fois, il expliquait comment faire dans des situations difficiles. T'sais. Ah, il pouvait parler de son dinosaure pendant des heures, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il revienne en pleurant. T'sais. Écoute, papa, Mike est mort! Puis là, ben, tu sais, au début, ben, comme tout bon parent, tu l'écoutes pas, tu sais. Tout bon. Non, mais pour y apprendre, tu sais, que
Faut pas tout le temps compter ses autres dans la vie non plus, tu sais. La leçon, la lame, tu sais. Voilà. Pour te faire entendre, faut que tu cries. Mais là, il criait tellement fort, j'entendais plus ce qui se passait à la TV. Fait que je le stoppe, tu sais. Ça, tu donnes une bonne claque en arrière de la tête à ton objet. Ouais, tu vises le Clacus Siberius. C'est exactement ça. En plus, t'as... ouais, c'est bon. là, ben, là, j'ai dit, c'est ben là, fiston, tu sais, raconte-moi comment ça s'est passé. Fait que là, il dit, ben, on jouait tous les deux dans la cour, puis là, ben, Mike est allé chercher le ballon à clous, puis il a marché sur une explosion. Ben, ça veut dire qu'il a gagné. Ben, entrons. Puis là, il s'est remis à pleurer, tu sais, parce que définitivement, il devait avoir perdu la game. OK. Fait que là, ben, il est inconsolable, un enfant inconsolable. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire plaisir à un enfant inconsolable qui vient de recevoir le corps déchiqueté de son meilleur ami dans la face? Je sais. T'essuies ouais. ton pénis en sang sur son toutou. Tu lui chantes du Mario Benjamin. J'ai fait les deux. Mais j'ai fait un cadeau aussi. J'ai fait un petit cadeau. J'étais allé y chercher un paquet de top. J'ai été y chercher un paquet de temps, un Viceroy 25 régulier. Tiens le kid, ça va t'aider à oublier. Pis ça a super bien marché, là, tu sais, parce que après deux, il s'est mis à avoir la tête qui tourne, il s'est mis à vomir, tu sais, il s'est encore lissé un peu de Mike à ce moment-là. Deux choses que j'ai appris, hein, rien de mieux d'un paquet de top pour se réaligner le malheur, tu sais, parce que ça fait toffer, tu sais. Tu wow. passes à autre chose. Tu sens que t'appartiens à un système qui t'encourage dans ta position. C'est mettons. Ça. Ouais. Tu te sens soutenu. C'est ça qui est important. En fait. C'est ça. S'il y a quelque chose qui arrive, tu peux te rabattre sur le vice-roi. Puis deux, hein? Ben, il n'y a rien. Ça va aller? Okay. On est tous avec toi. Il n'y a rien. J'ai appris aussi qu'il n'y a rien de plus efficace hein, qu'un piège à visite pour chasser un vieux pervers déguisé en dinosaure. C'est quoi pour toi un piège à visite, Mathieu? Un piège à visite, ça peut c'est être pas comme d'aller péter à côté de lui sur le sofa, là. Non, non, mais un piège à visite, ça peut être des affaires, là. Tu mets un peu d'électricité, ça, c'est une poignée, tu sais. Un peu. Home Alone style. Oh, tu veux pas le griller non plus, parce que c'est tannant. Après ça, il faut que tu scrapes ça une main. Puis trop d'électricité, ça colle. Puis la peau, ça fait une croûte aussi quand ça brûle. C'est pas ça super. Colle. Matière organique, en général, sur du stainless, là... Hey, mais moi, je te donne un joker. La prochaine fois que j'ai envie de te poser une question, tu me diras de fermer ma gueule. Ah, ben, y'a pas de problème. Mais en fait, on jase. Ouais, ben, ça applaudit là-bas. Là. Je sais pas c'est où. PJ! PJ! Mais c'est pas tout, hein. 5 ans, c'est 60 mois aussi, tu sais. Oh. Ouais. 5 ans, c'est 60 mois. Puis, ben, ça, 60 mois, c'est 3 ans avec sursis dans ma vie, ça. Non, mais c'est parce que le juge. Hey, écoute, c'était malade. Le juge est arrivé sur une espèce de gros nuage. Il lançait des éclairs. Puis dans un coin, il y avait des pleureuses qui le priaient. Puis dans l'autre coin, il y avait des gueux qui garochaient des vieilles salades pourries en l'insultant. Puis là, il y a deux grosses calices de colonnes grecques qui sont descendues. Puis il y a la femme oiseau qui était juste à côté de moi. Elle m'a demandé de jurer sur un citron que tout ce que j'allais dire allait être la vérité. Les réunions parents, en fait, élèves. Ben, pas besoin de te dire qu'il y en avait une couple qui se doutait que j'étais pas à jeun. Parce que 12 heures avant, la capote remplie de buvards que j'avais ingurgité s'est fendue. Écoute... Il t'est arrivé un oups. Ben, c'est ça. Tu sais, ça arrive dans les meilleures familles. Le précieux nectar s'est libéré dans toutes les cellules de mon corps. Puis écoute, j'étais. Il y avait un arc-en-ciel par cellule, ça a de l'air. Je sais pas, j'étais plus là ou pas en tout. Quadruple million rainbow. Là. What does it mean? Je pense que j'ai râlé pendant 2-3 heures. Fait que là, le juge, il m'a dit, tu sais, quand il est avancé vers moi, tu sais, il a approché. Puis là, il a dit « Comptez-vous chanceux que nous vivons dans un système où en ce moment même, je vous donne à peine un an de prison ferme, alors que tout le monde sait pertinemment que vous méritez la prison à vie pour ce meurtre crapuleux, mais surtout pour la feuille de route impressionnante que vous traînez. Il serait plus facile de parler de ce que vous n'êtes pas accusé, tellement vous collectionnez le crime. Vol, bagarre, atteinte à la pudeur, membre de parti politique, vous accumulez les bourdes. Soit !»
L'enveloppe glissée sous mon Porsche prouve hors de tout doute raisonnable que la justice s'achète et que moi-même, je ne suis qu'un pantin animé par l'avarice. Là, et vous pouvez me noter en référence sur votre CV. Là, il a sorti un nasty gros magnum, il a tiré 3-4 gardiens de sécurité puis s'est éclaté à la tête. À Québec cette semaine, genre. Ouais. Ah ouais. Du sang partout, du monde paniqué. Écoute, j'ai pris ça un peu comme un hommage. Un hommage. On sentait le respect dans ces mots, en tout cas. Une espèce de merci pour mon humble contribution au tourment de l'humanité, tu sais. C'est pas compliqué, ils se sont pris à 6 pour me sortir. Esti, j'étais rendu assis à la place du juge, puis je remerciais mon père de m'avoir soutenu dans le chemin chaotique du larcin. J'étais là. Merci, tabarnak. C'est super beau. Le passe respect, une belle journée. Le respect de ton père. Quand ils te le disent, tu sais. En terminant, 5 ans. 5 ans, c'est aussi 157 784 630 secondes. Pis ça, ben, ça équivaut au nombre de cellules qu'on perd en écoutant une toune d'Éric Lapointe. Là, ça dépend. Il y en a que c'est plus, tu sais. Mais en général, ça tourne autour de 150 millions. Juste en dessous, t'as écouté Occupation Double, pis juste en dessous, t'as 5 minutes dans le micro-ondes. Essayez pas ça à la maison, écoutez Occupation Double. En tout cas, j'ai fait des tests avec mon fils, pis ça a super bien marché. Il écoute puis Occupation Double depuis, puis il est dessus, tu sais. C'est bon, ça. Mais il est devenu addict au micro-ondes. Entre autres. Un autre tour. Ouais, ben, il aime toutes sortes d'affaires, mon fils, que ce soit les petits pincements. Il aime ça, les petits pincements, les brûlures avec le lighter. Les twistings, la cire de chandelle. Il aime bien les affaires, mon fils. Il n'y a pas de fin à cette affaire-là, bon, parce qu'à ce moment-là, j'allais vomir. Non, on est live, on est devant tout le monde. T'es là, Mathieu, puis j'aimerais ça que... Tu sais, tout le monde a un prix, hein, Mathieu? Oui. Comment pour que tu te fasses couper les cheveux? Combien pour que je me fasse couper les cheveux? Ouais, moi j'ai du monde, il y a plein de monde que ça lui tente de côté. Là. Non, on donnera pas ça à une affaire comme le cancer ou quoi que ce soit. Là. On va envoyer ça au gouvernement pour aider à payer pour les jets, genre. Ah! Est-ce que c'est une bonne idée? Ou on envoie ça direct au Mossad. Let's go, les F-35. Bonne idée. Moi, je mets 60$. Chris, t'es pas une bonne pute, là, c'est ton début. Mais non, mais écoute, c'est mes cheveux. Je tire ma force de mes cheveux, Tommy. On peut-tu te raser le crâne lundi prochain ici, puis je te donne 60$ compte? Je vais te laisser un petit clip pour y penser, sans tout remercier bien gros de ta chronique. On va booker ça avant la... Il a dit oui, hein? Ouais, il a dit oui. Je vais te le redemander parce que t'es sous l'émotion puis tout, puis moi, je veux pas que tu souffres là-dedans. Je sais que c'est pour ton bien là, que je veux ça, là. OK? C'est bon. Je suis peut-être pas en état non plus. Dis merci à la caméra, Mathieu. Merci la caméra, Mathieu. Merci bien gros, Mathieu. On vous revient à 70% après quelque chose que j'ai enregistré l'été passé, puis j'aime bien ça m'entendre parler. Merci, Mathieu. Yeah! Alors. C'est Tommy Godette qui vous dit bonjour. Non, je suis pas à la plage, en fait. Ça a l'air de ça. Mais quand on se lève, on s'aperçoit que je suis à côté d'un cratère bien, bien spécial. Et c'est en voyant cette formation géologique-là que j'ai eu envie de vous parler de deux phénomènes géologiques pratiquement propres à l'Abitibi-Témiscamingue. Plus à l'Abitibi. Si vous voyez à l'horizon, en fait, en Abitibi, on a une affaire, ça s'appelle les Esquerres. Et les Esquerres, ça, c'est des collines qui sont tout le temps nord-sud. Parce qu'il y a environ 10 000 ans, sur cette noble partie du bouclier canadien, il y avait à peu près 3 km de glace d'épais. 3 km, ça veut dire 3 000 mètres de glace de haut. Ça fait beaucoup d'eau. À un moment donné, ça a fondu, ça. Puis ce qui se passe, c'est que ça fait des grosses rivières à l'intérieur. Comme c'est nord-sud, il fait plus chaud sud, hein, blabla, c'est géant, là, on parle de l'échelle planétaire. Ben, les canaux qui se sont faits à l'intérieur de ça, des fois, il y avait des rivières qui étaient plusieurs centaines de mètres comme circulaires, tu sais, puis qui se promenaient du nord vers le sud. Et puis, à force que les glaciers descendent, ben, ces rivières-là se sont, en fait, ils ont ramassé plein de débris qui venaient d'avant, des roches, il y avait des arbres et tout. Et puis, en se déposant tranquillement, la rivière nord-sud devient un esquerre. Et puis, c'est à cause de ces formations-là que nous,
nous, en Abitibi, on a une des eaux potables les plus propres, tu sais, qui gagne des prix, là, parce qu'il y a des gens qui sont capables de donner des prix sur l'eau potable. Ce qui m'amène à parler de notre deuxième formation géologique, qui est très, très abitibienne, et j'ai nommé le champ de slam de mine. En fait, il y en a plein en Abitibi, il y en a au moins un par mine. Et ici, on est tombé sur un particulièrement vorace, je dirais. Si on voit ici, à votre gauche, à ma droite, voyez comment qu'il y a trois couleurs de slam de mine. Et ça, c'est assez fabuleux. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est dans le gris foncé là-bas, ça, c'est la vieille slam de mine. Là, ils ont mis du sludge partout, 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 partout. Il y a même des clôtures qui sont enterrées là-bas. Là, un coup qu'ils ont rempli ça de sludge, ben là, ils sont passés à deuxième étape, c'est-à-dire, ils ont comme, je sais pas, creusé plus creux pour chercher une autre sorte de patente. Et ce qui explique la sludge jaune qu'il y a par-dessus, la sludge grise foncée. Et par-dessus tout cet assemblage, on arrive au ultime. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est à plus de 50, ben, j'exagère. On est à, mettons, 20-30 mètres plus haut que la forêt qui est juste à côté de la montagne de sludge de mine que donne cette affaire-là. Voyez ici le beau cratère. On a l'impression d'être sur la Lune. C'est de quoi réfléchir, de quoi vivre. Et voilà, c'est la faune abitibienne, la flore, la nature dans toute sa splendeur. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Merci à toute l'équipe de tournage de notre film Le Plan Mort. Là-bas, ils sont contents. Et puis, il y a Cédric qui est à la caméra, mais il fait signe qu'il est content. Là-dessus, faites attention à vous autres et responsabilisez-vous de vos besoins et de votre consommation. Cédric veut tourner dans une cuisine. On va aller manger, là. Mais merci, hein? C'est ça. Une image d'archive. Mario, je pense qu'on va en faire un. Hein, ça ah, ça, je tenais beaucoup à ce bout-là avec le... Oui. la lumière. On a été obligés d'enlever le bout avec Michel-Ange. Mais ouais. C'est on se rend rarement jusqu'à la fin, je me souviens plus quand ça finit. C'est rare. T'inquiète, hein. Man. La semaine prochaine. En fait, on l'écoute. T'es... Le tien, c'est celui qu'on a écouté le plus souvent parce qu'à toutes les fois, tu joues le Joker de l'innocence. Je sais pas ce que tu faisais par là. Mais alors voilà. Ouais, c'est ça. Mon petit Woody Allen, quoi. C'est quoi le pédophile? Non, voilà. Non, il a attendu que ça fait il y a 18 ans avant de avec. Écoute, l'amour n'a pas d'âge. D'abord, je me réexcuse encore. J'ai trop chanté au karaoké hier, si on peut appeler ça chanter. Puis, ça genre cette voix-là dans la chronique. Ben, moi, je t'entends comme d'habitude. Ouais, tu peux dire que t'essayes de parler comme Éric Lapointe ou Thérèse Moncalme. Ah, pour faire rire, je parle comme Thérèse Moncalme. Préparez-vous. T'as-tu trouvé ça tout seul? Ouais, j'ai trouvé ça tout seul. C'est quoi, ça vient d'où, ça? C'est Bruno dehors? C'est Bruno dans le coin, là. Ah, il est caché. Ah, je suis couché dans le coin, ouais. Je parti à 70% depuis 3 ou 4 ans, je sais plus. Et depuis le début, et je pèse mes mots, il y a une chronique BD qui s'imposait et que j'avais pas encore fait. C'est vrai. Et c'était un gros morceau. Je parle souvent d'Astérix. J'imite à la perfection Astérix. Oui. Je pourrais pas le faire aujourd'hui, mais... Tu l'imites à la perfection. À la perfection. Pour deux mots. Je parle souvent d'Astérix. Je parlais du jeu vidéo d'Astérix. J'ai fait ma chronique sur Astérix et les gottes et ma confusion. Mais j'ai pas encore parlé. Moi, j'ai tout le temps pensé que t'avais parlé du jeu vidéo juste pour parler de Stéphane Rousseau par la bande. Oh, bah, je l'avais loué à la bibliothèque. Puis... Mais j'avais pas encore parlé de... Le ciel lui tombe sur la tête. Oui. La dernière le histoire. Meilleur. Non, non, hey, il va parler pendant à peu près 7-8 minutes. Là. Allez-vous-en pas. Là. Ouais, non, allez-vous-en pas. Non, puis elle s'est écrite tout seul, la chronique. Là. pas que je l'écris d'habitude. Mais... Alors, gars, j'ai pas vérifié mes faits, mais Gossin est mort, je me souviens bien, en 77, en tout cas au courant des années 70. Et finalement, Uderzo a quand même continué les Astérix. Puis Astérix, ben, tu sais, ceux qu'on aime, ben, c'est sûr, scénarisé par Goscinny. Bon. Puis, ben, c'est ça. Mais c'était pas si pire au début. Le premier qu'il a fait tout seul, c'est
le grand fossé, c'est correct, c'est bon. Puis là, ça se gâche avec le temps. C'est vrai que j'ai rasade, oups, c'était pas la rose et la glaive. Ça, ça, non. Ça, c'est pas bon. Astérix, le Traviata, la galère de Bélix, parce qu'il se fait changer en pierre. Oh là là. C'était des mauvais albums. On parle de des mauvais albums. Là, on parle d'un crime contre l'humanité. Alors, ok, je vais donner 8 sur 10 probablement. Reste à l'écoute. Constance. Donc, on voit qu'il y a une tendance, spoiler alert, il y a des extraterrestres dans l'album. Il y a une tendance chez les auteurs de bandes dessinées, quand ils viennent vieux, de faire comme. D'ajouter des extraterrestres. J'ai un exemple. Vol 714 pour Sydney, de Tintin, qui est l'avant-dernier, je crois, ou l'avant-avant-dernier. Dans lequel, ben, à la fin, il y a des extraterrestres. Oui. Je sais pas ce qui se passe avec les auteurs de bandes dessinées franco-belges quand ils pognent 70 ans, mais il y a de quoi qu'ils veulent, ils tiennent à ça, ils veulent ça. En tout cas, j'ai deux exemples, fait que c'est sûr que c'est une tendance. Il y a une tendance. Il est belge, hein, ou il vient pas loin de la Belgique aussi. Fait qu'on va voyager ensemble. Premier affront, il dédie l'album à son frère, alors pauvre lui, mais il était mort au moins. Fait que. Après ça, il y a les deux pages. Vintage. Là, vraiment cool, l'album commence à la page de gauche. Ça, vous savez, c'est pas comme ça d'habitude dans les bandes dessinées franco-belges. Ça commence, ou même n'importe quelle provenance, ça commence à la page de droite. Fait que tu t'en rends pas compte parce que c'est en crise. Mais quand tu t'en rends compte, ben, tu te dis, mais pourquoi? Ben, parce que ici, ben, là, ça commence, bon, ils ont chuté les sangliers. Puis en bas de la case ici, c'est parce que s'il y avait eu la page à droite, c'est mon interprétation de tout ça, là, ben, on aurait vu tout de suite qu'est-ce qui les effrayait tant. Et ils avaient bien raison d'être effrayés, mes amis. Oh! Il y avait un manque chronique d'imagination. Par la calice de pire cause de l'histoire. Ben, c'est ça. C'était la démence à 80 ans. Effectivement. C'est ça qui les a écrasés. Là, on est à la cinquième page, là, tu sais. Ça commence. Puis là, tu dis, OK, non, sérieux. Puis là, finalement, qu'est-ce qui en sort? Eh bien, c'est un... Mickey Mouse. Un Mickey Mouse. Un pastiche de Mickey Mouse qui parle de ça, ça a l'air. Puis, c'est ça, il s'appelle Toon, T-O-U-N-E, mais qu'il faut prononcer bien sûr Toon. Et il vient de Tatilvin, qui est Wine, qu'importe, qui est Walt Disney, les lettres de Walt Disney mises dans un autre ordre. Qui est ah ouais, ok, tu... Ben là, je dis tout pour qu'on comprenne bien. Là. On n'essaye pas de se cacher qu'on se met à Mickey Mouse. Là. Non, c'est ça. Mais quand tu le lis, tu comprends sa deuxième case d'apparition, puis tu dis « Ah, oh, non. » Oui, oui, oui. Ça, je me rappelle avoir dit exactement ça. On se souvient tous la première fois qu'on a fort, là, pas dans ouais. Puis là, allez, page suivante, fait que là, le tourne, il descend. Là, t'es dans un colis d'Astérix! Là, le tourne descend de son vaisseau. Puis là, il y a ici des clones qui sortent. C'est comme ça qu'ils appellent les clones. C'est des bonhommes d'Arnold Schwarzenegger, là. C'est déjà le référent daté en 2003. Puis qu'importe l'année qui est sortie. Puis là, finalement, eux autres, ça, c'est eux autres qui protègent les Toons. Fait que ça représente, j'imagine, la droite américaine. Je sais pas. Puis c'est ça. On voit après ça que. La page suivante. C'est pas gros, zone de confort. Oh, zone de confort, vous dites. Ben, quoi qu'il l'a. Objectivement, il l'a brassé en tabarnak, la zone de confort. Ouais, ouais, ouais. On va lui donner ça. Mais on réalise que Obélix est plus fort que ces bonhommes-là. Mais on est bien, bien surpris. On est bien surpris. On va aussi l'engager. C'est vrai aussi, tout de suite, la case ici. Je ferai pas ça tout le temps. Panoramix, il fait. Je pense que je cauchemarde. Oui. Écoute, t'as recommencé. Il est druide, il peut se faire un poison qui fait pas mal. Ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Un petit coup de cyanure. Ensuite de ça, c'est pas bien long. Ouais, c'est la chute, là. Ça arrête jamais. Hein. C'est dans ça qu'on apprend la puissance de la potion magique. Oui, ben, je vais y venir. Ouais, là, c'est ça. Et puis là, le tourne, il est introduit au village. Là, il leur dit que c'est bien bizarre qu'ils sont tous différents, les humains. Nous, on est tous pareils dans notre planète. Malaise. Parce que, first, on s'en calisse. Deuxièmement, je présume que c'est pour se reconnaître mieux, pour se crisser une volée dès qu'ils se croisent. Je sais pas. Puis là, ça continue. Puis là, tu vois que. Il y a du texte, là. Ouais, il y a du texte de temps en temps. Puis là, tu vois que finalement, ils sont venus ici parce qu'ils veulent avoir une arme, l'arme des Gaulois, puis pour se battre contre les Nagma, qui est le mot manga, mais les lettres dans un autre ordre. En calvaire. Fait que là, ah non, c'était déjà très, très, très mauvais.
C'est pas bon, déjà hein. Imbuvablement mauvais. Ben moi, mais je viens là... d'apprendre que c'était manga, puis je trouvais ça exécrable. Ah, avant. Ben, fait que là, donc, tout le gros deuxième niveau de l'album, c'est que Astérix représente, Meta représente la BD franco-belge, qui est, puis là, Uderzo le dit explicitement, il était inspiré beaucoup par les tournes de Walt Disney. Fait que eux, c'est les gentils, entre guillemets. Puis là, il y a les méchants mangas. Les mangas en Europe, ben, sont rendus au-dessus de 50% des ventes d'albums. Puis ça n'existait pas, là, je sais pas, 15 ans. Mm-hmm. Ben, en Europe, je sais. Fait que là, ils ont tous grugé les ventes d'albums de bandes dessinées. Fait que là, un des plus grands. Une des bandes dessinées franco-belges les plus légendaires se devait de. D'adresser le problème. D'adresser le problème qui n'en est pas un. Anglicisme. Là... Fait que c'est lequel? Adresser le problème. Non, je savais pas. Ouais, on apprend toujours. Puis on apprend, c'est ça, donc que la potion magique est connue partout dans la galaxie, en plus. Exactement. C'est incroyable quand même. Alors voilà. Fait que là, le Astérixverse, dans le fond, il y a des infinies de civilisations tranquillement sur des planètes. Astérixverse qui, jusqu'à date, semblait se passer dans le même univers que le nôtre, mais... Dans le même pied carré, dans là. Dans les 32 albums précédents. C'est ça, à toutes les fois qu'ils font un voyage, c'est ça le nom de l'album, là, tu sais. Ben oui. Astérix et Obélix, c'est Oco Obsco, là. Au Congo. ben c'est ça, ben là, ça continue, et là, les fameux mangas, les... qu'importe, arrivent sur Terre aussi. Là, je vous rappelle qu'on lit un Astérix. Malaise, Malaise, vous dites? Là, on lit un Astérix, là, il y a les bonhommes manga qui arrivent. Les Romains, ont des nouveaux casques. Est-ce qu'Obélix va les collectionner? on est très heureux à rire. Il y a Maurice, l'auteur de Lucky Luke, qui a dit explicitement, lui aussi, qu'il était beaucoup inspiré par Walt Disney. Puis c'est pour ça que les premiers Lucky Luke, c'est très cartoon, les dessins sont très ronds, tout ça. Jamais eu d'extraterrestre dans Lucky Luke. À date. Ça s'en vient. 80 albums, là. Ils sont vraiment pas tout bons. Mais il y a eu Céline Dion. Mais il n'y a jamais eu d'extraterrestres dans l'école. Il aimait, lui aussi, il aimait ça Walt Disney. Alors, on continue. Okay. Il mange un hot dog, c'est pas bon. J'aime ça, la petite parenthèse. Oui. Ça se fait pour c'est parler ça. D'extraterrestres. Oui, je sais. Non, mais c'est le pire faux pas. C'est possible. Ben oui, ben oui. C'est incroyable. Ça va être ma finale, là. Mais bon, c'est... Alors, on continue. Puis là, on n'a même pas encore pogné le top du pas bon, là. Je vais y venir. Il mange des hot dogs. C'est dégueulasse. Il mange des hot dogs? Oui, il y a un hot dog dans une case, maintenant. Là, on voit que Bélix qui a des questions de voler à tout le monde aussi. Il est plus fort que les mangas aussi. Zone de confort. Zone de confort. Et là, le top... là, les mangas, ils avaient vu, mais ils étaient dans comme des espèces d'armure. Fait qu'on savait pas trop de quoi il avait l'air. Là, Bélix, lui, Astérix, quand on s'en calisse, lui écrit ça une volée. On voit que son armure se brise. De quoi ils ont l'air, les mangas? De samouraïs tout croche. Ben, ils ont l'air de des mélanges de coquerelles pis de bonhommes chinois de Bugs Bunny des années 40. Ouais. Avec des cornes. Genre, dans les Bugs Bunny de propagande des années 40, ils étaient moins offensants dans leur apparence. Ouais, ils ont l'air méchants, mettons. Pis il y avait un effort là, pour que ce soit offensant dans leur apparence. Dans le temps où on s'en crissait. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Hey, gars, non, je veux l'avoir, cette case-là. Là, ici, je vous rappelle qu'on est dans un Astérix, présentement. C'est un... C'est un vrai Astérix, là! Là, il y a l'armée des Arnold, singes. Des clones. Fait que là, tu vois, c'est ça, leur problème, c'est que les deux sont de force exactement égales, vous comprenez? Fait que ça prend quelque chose pour qu'il y en ait un qui batte l'autre, puis ça prend la potion magique. Et en plus aussi, une métaphore sur l'affaire des armes secrètes de l'Irak, que le référent date pas du tout non plus. Il va pas trop loin, là. Non, mais c'est ça. Ben non, mais c'est Mango. Mais c'est ça. Okay. Voilà. Non, non, j'ai le sais. Il y a des références. Ensuite de ça, ici, on est à page 31. Là, tu vois que... Déjà trop loin. Il y a Astérix et Obélix qui volent sur Arnold Schwarzenegger, et il reste encore 15... Ado d'Arnold. Il reste encore 15 pages à l'album. Oh non! À ce moment-là, rendu là. Je suis désolé, je m'excuse. Tu sais, quand tu transformes un totem en cure-dent, même. Ouais, je vous rappelle ici qu'on est dans un Astérix, présentement. Ici, voilà, c'est important. Ensuite, ici, aussi on... Ensuite de ça... Il a lancé un menhir pour coller une volée. Au moins, les menhirs servent, c'est le fun. Là, il y avait... Là, écoute, l'album se perd, là. Puis là, ici, il y a le vaisseau de l'un qui s'en fourche dans le vaisseau de l'autre. Puis là, il faut aller chercher Panoramix qui est pogné dedans. Puis là, il y a Bélix, Astérix fait comme « Ah, Chris, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, Bélix fait comme « Mais tu sais bien, j'ai escaladé le Sphinx, je peux bien escalader ceci. » Oh! Puis là, ça... Référence! Et avec un...
avec un astérix. Hommage qui, à Astérix. Qui indique que c'était dans Astérix et Cléopâtre. Mais seulement, finalement, cette formation-là sert à rien parce que finalement, Panoramix réussit à sortir d'une façon quelconque. Il grimpe pas dessus. Je pense que le Dirzo qui s'est dit, OK, si je name drop un bon album d'Astérix, ouais. ça va rehausser celui-là. Le monde va penser que c'est bon. Ben, ils vont comme mêler. Ouais, ça nous rappelle en plus qu'on a le même univers, les deux, tu sais. Ouais. Ça nous met pas plus à l'aise. Hein? Non, pas plus à l'aise. Ensuite de ça, aussi, il y a une affaire qu'il y avait. Qui est, finalement, Panoramix fait la potion magique pour ces peuples-là. Mais là, finalement, la potion magique n'a pas la même. Vu que c'est pas des gens, c'est pas des terriens, c'est pas des êtres humains, ben, la potion magique n'a pas le même effet sur eux. Mais pourtant, tu vois plus tard, Toon boire de l'alcool. Puis ça, l'alcool l'affecte, par contre. Il mange, fait que bon. Fait que c'est le seul manque de rigueur de l'album. L'affect le rend fort ou le rend finalement, il reste 4-5. Ça le saoule. Ok. L'alcool le saoule. Mais... Puis là, finalement, la potion magique, ça les fait grandir. Ce qui sert à fuck all, là. Ça sert pas à. Ça sert pas à aller chercher un objet qui est haut perché, là, d'une page plus tard, là. Penses-tu, ça Julien? Ça sert juste à remplir des pages parce que c'est tellement mince puis c'est tellement maladroit que. Fait que là, il grandit. Mais plus loin que ça, Julien, c'est-tu une métaphore? Que les Américains grandissent grâce aux produits des Européens pour aider à vaincre le marché japonais, genre? On est-tu rendu là? Il grandit quand il en boit. Mais ouais, ça pourrait être. Ok, ça fait que les Européens. Sûrement. Les Européens aident tous les autres marchés à grandir. Puis là, finalement, là. Les extraterrestres, finalement, quittent la planète. Ah oui, si Diamine, il devient tout noir. Là, Panoramix, il fait une potion pour qu'il devienne bleu. Comment que Panoramix sait comment faire une potion pour ça? OK, là, je comprends qu'il... Puis en plus, le test a été fait que ces potions ne donnent pas les mêmes effets. En plus, oui, effectivement. Ça va pas bien. Hein. Et ça sert encore une fois à focal. Et ça finit finalement que... Ben, il s'en va avec son vaisseau. Il met une espèce de brume qui fait que les personnages ne se souviennent pas des événements de l'album. Non! C'est mandatoire. It was avec just une a dream! Extraterrestre. Ben oui. L'île, c'est pas où, c'est quand? Ben oui. Et cette brume-là, j'espère qu'on va développer cette technologie-là pour qu'on puisse nous aussi l'avoir. Il devrait en mettre dans l'album. Oublier cet album. De revenir avec l'album. Mais je veux dire, c'est pas un mauvais Astérix, c'est un. C'est le pire faux pas. C'est incroyable. Comme dit Angry Video Game Nerd, c'est What Were They Thinking? C'est incroyable. Puis c'est le dernier album d'Astérix que Derzo a fait. Il en a sorti un dernier qui est comme juste une compilation d'histoires courtes. Fait que c'est la dernière longue histoire qu'il a faite à, je sais pas, 14 ans. Même la compilation, c'était beaucoup de pubs qu'il avait faites pour le lait dans le temps en France, pour l'école, puis des affaires comme ça. C'est la dernière chose qu'il a inventée, dans le fond, maintenant. Tu sais, il aurait pu faire Astérix et Obélix, voyage dans le temps, puis viennent dans le présent, là. Je pense que ça aurait été moins gênant. Je pense que ce serait difficile, puis ça serait des poches, là, on s'entend, mais ça serait difficile de trouver un pire scénario que ça. Alors, à quand le film? 8 sur 10. Parce que, selon moi, c'est un 8 sur 10 bien senti. On est en train de toutes les faire, là, les Astérix en dessin animé, tranquillement pas vite au fil des décennies. Puis ça va vite parce qu'à ce temps, il y a un jump pack 2 ou 3 par. Par respect pour l'œuvre initiale. Ben oui. Fait qu'il y a pour ainsi dire une douzaine des 30 Astérix qui sont en dessin animé. Fait que. À quand celui-là? J'imagine en même temps que Tintin au Congo en dessin animé aussi. Alors, une franche réussite, le ciel leur tombe sur la tête. C'est fait. À recommander. Pour tous les amoureux. Julien. Les amoureux de la bande dessinée. Hey, merci bien gros, Julien. C'était une chronique excellente sur un excellent album d'Astérix. Ça va te passer vers autre chose. Parle-moi de ta soirée d'hier. On est moi et toi. On est personne d'autre. Il n'y a pas une caméraman qui te filme. C'était bien plaisant. Je suis allé au bistrot de Paris. Et j'ai chanté des tunes où est-ce qu'au début je faisais semblant que je chantais pas pour vrai, puis finalement à la fin je criais. Les émotions, hein? Ouais, c'est ça. Puis je l'ai fait que ça comme trois fois, puis je suis parti chez nous. C'est quoi les tunes que t'as chanté? J'ai chanté Loin d'ici, trois accords. Ouais. J'ai chanté. C'est grandiose.
Merci. Je voulais chanter Salut Salaud de Vilain Pingouin. C'est bon choix. Ça, c'est une tune suicide, ça va être drôle. T'sais. Puis là, mais, finalement, il l'avait pas. Fait que là, ça a été la tune des bébés. Salaud Combat. Salaud Combat. Salaud Combat, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ouais. Tu ne sauras jamais. Ouais, tu ne sauras jamais. Là, je l'ai botché un peu parce que c'était pas supposé être, je suis supposé faire, tu sais. Là, fait que j'ai pas... Ah, t'as fait ta Bernadji Diva. Ouais, c'est ça. Non, pas, je fais de ma Diva, mais dans le sens que je sais pas quoi faire. Ben ouais. C'est ça. Oui, je fais de ma Diva. J'étais fâché de ne pas avoir ma tune au karaoké. Puis j'ai terminé avec Sa plane pour moi de Plastique Bertrand. Et, fait que là, c'est ça. Fait que j'ai fait da-da-da-da-da-da 3 minutes. Puis c'était fort plaisant. Ouais. C'était une belle soirée, j'ai bien vu. Mais merci Julien. Merci à toi. Toi, je te chalerai pas avec les cheveux parce que c'est pas autant un problème que d'autres personnes. Ben, ça revient, c'est un problème une fois par année. C'est récurrent. T'es-tu game de toi? Comment tu donnes pour la coupe de cheveux à Mathieu? Moi, je suis pro cheveux longs. Puis je n'aurais pas un seul centime pour que Mathieu se rase les cheveux. Ça, puis je suis shape aussi. Bon, ben, je compte sur toi et Manu. Hein. Bon, ben, merci Julien. On va écouter encore une fois moi qui parle d'autres choses et puis on revient à 70% pour. J'ai l'impression que ça va être Marianne, notre nouvelle chroniqueuse experte. 17,95, cherche. Oh, excuse-moi, man. 17,95, cher Chambaud, mettez votre cash ailleurs. Personne d'autre que nous n'est en plein. C'est à nous qu'il appartient d'éliminer la pointure. Les fous. Êtes que des fous. Vous ne comprenez pas que le monde n'existe plus. Alors, commissaire. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Espérantrique, éventreur. Même le ciel n'est que silence. Non, capitaine, l'un de nos inspecteurs vient de livrer des aveux complets. Vous n'êtes que des cadavres. Il n'y a rien, rien, même pas ce signal que vous voyez entendre. Ouais, l'hiver va être long cette année. Les gars ont fait de leur nique. Oh. Ouais, l'hiver va être long cette année. Les vieux, ils ont le moral bas. Il n'y a qu'une foi. Qu'une seule extase. La mort. Donc, c'est une étudiante qui parle avec son professeur et le professeur lui dit « Écoute, ma grande, t'as de la misère dans tes notes ces temps-ci. Qui t'aide à réviser à la maison? » « C'est mon arrière-grand-mère. » Ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Regarde, la femme. Regarde là-bas, des chevals. Mais non, on dit des chevaux. Ah ouais, mais ça a vraiment l'air d'être des chevals. Un gros gorille, il est dans un zoo. Puis là, il y a un petit monsieur qui arrive à côté de la cage, puis il regarde le gorille, tu sais, puis il y a un arbre à pêche, un pêchier à côté. Puis là, le gorille ramasse une pêche. Puis là, il sort le noyau de la pêche. Fait que là, il prend le noyau, il se le met dans les fesses. Là, il sort le noyau, avale le noyau puis la pêche. Ah ben, Colin. Puis là, le gorille prend une autre pêche, il sort le noyau, se met le noyau dans les fesses, avale les deux d'affilée comme ça. Ah ben là, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Il appelle comme ça, il y a un employé du zoo qui arrive, puis il dit « Oui, monsieur, ben regardez, le gorille leur fait la même affaire encore. » Il dit « Ah, oh, ben là, c'est normal, c'est parce que, v'là deux semaines, on a été obligé de faire venir le vétérinaire parce qu'il y a un noyau qui a pas passé. » Fait qu'à ça, il les teste avant. D'ici le 24 juin prochain. Hey, t'étais beau quand t'étais jeune, Tommy? Bah, ok. Bonjour, Tommy, ça va bien? Je vis des moments extraordinaires. Ouais, ben je tenais aujourd'hui à te dire, mais je t'ai invité à 70%, je suis super content, mais... Ben ouais, mais t'es comme notre nouvelle chroniquatrice on the side, et on va te voir souvent, là, tant mieux. D'ailleurs, je tenais à vous dire que j'aime beaucoup votre émission. Tu nous suis depuis ta Gaspésie natale? Depuis Montréal, mon bon ami. Mais en fait, moi, c'est depuis... Est-ce qu'il y a des gens de Montréal avec nous dans la salle? Ouais! Ben non, c'est ça. Moi, Douteux, en fait, je suis depuis que je suis revenue de Granby. C'est Predge qui m'a hooké dans les cuisines de l'Express, en fait. Puis il m'a dit, viens voir ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis jamais repartie. Hein? Des choses qui arrivent. Ben oui. Ben tant mieux pour nous autres.
Ben, yeah. Ben non, c'est ça. Aujourd'hui, Tommy, j'ouvre mes chroniques. En fait, j'appelle ça la bonne nouvelle, hein? À la maison, la bonne nouvelle, parce qu'on en a besoin. Donc, toi, tu t'engages à nos auditeurs de 70% de revenir une fois ou deux semaines à peu près pour nous ramener une bonne nouvelle. À toutes les deux semaines, m'en revenir pour vous annoncer des bonnes nouvelles parce que les gens ont vraiment besoin de bonnes nouvelles. Vas-tu trouver du matériel pour nous trouver de quoi aux deux Écoute, semaines? Écoute, j'ai trouvé des trucs juteux, mais moi, la vie est une inspiration, hein? Fait que bon, je pourrais vous en faire à tous les deux jours, mais vous seriez tanné, hein? Fait que j'ai fait aux deux semaines. Bon, ben, je vais te mettre optimiste niveau... Parle! Hey! Hey! Fait que c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, ma première chronique est sur un grand projet, hein? Ça s'appelle Initiative 2045, ça s'appelle aussi Projet Avatar, mais ça s'appelle aussi, pour moi, la quête vers la vie éternelle. Les gars, on vous entend de l'extérieur. Salut! Ouais, mais c'est pas grave, ils sont contents, là. Le monde des micros, ils entendent pas ça. Faut pas que tu te laisses déconcentrer par les estis de douchebags trop de cheveux. Non, jamais. Hey, il a réussi à rentrer par la fenêtre, c'est pas pire, hein? Ouais, quand t'es sous-alimenté, tu peux faire plein de choses. Fait que non, c'est ça, mais en fait, le projet dont je te pense, c'est un projet ambitieux qui a été lancé par un milliardaire russe nommé Iskov Dmitri. Ouais. Stereotypov Étrangeov. Ouais. Non, non, c'est ça, mais c'est quand même important ce que je vais te raconter là, mon Tommy, parce que c'est quelque chose qui nous pend sur le bord du nez. On ne sait pas encore, mais ça s'en vient. D'ailleurs, c'est très en lien avec ces Palm Islands, tu sais. C'est près de Dubaï, ils avaient fait plein de deals touristiques pour milliardaires. Ils ont fait une map monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils ont fait une map monde. À toutes les fois que c'était trop gros, ils ont dit on va faire plus gros la fois d'après. Exactement, mais tu sais, c'est des beaux projets dans ce type-là. D'ailleurs, on se rappelle que Palm Island, au départ, il était censé y avoir des techniciens, en fait, des chercheurs qui devaient donner l'accord pour faire ce projet-là. Mais comme les milliardaires étaient trop pressés, ben, ils ont donné le go, hein? C'est tout le temps comme ça. Puis finalement, mais ils se sont ramassés avec un contour parce que là, on s'entend que des petites îles créées comme ça, ben, ça se fait ramasser par les marées, hein? Fait qu'ils ont fait comme une espèce de mur tout le tour, mais ils ont pas pensé que ça allait virer en gros swamp. Le mur de l'amour. C'est ça. Fait que pour des erreurs de même, ça coûte encore des millions de dollars. Ça, c'est juste pour vous mettre... Fait qu'on en met plus puis régler ça plus vite. Exactement. Fait que là, on parle de ce type de problème-là, mais là, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va vous donner l'eau à la bouche. Je suis tellement heureuse de vous en parler. Ben oui, ça prend une bonne nouvelle là-dedans. Là, tu nous parles de Dubaï, là. Non, Mathieu, il a envie d'avaler sa langue, là. On y va, Tommy. On y va. On y va sérieux. Mathieu, t'es là? T'es avec nous autres? Yes! Donc, pour pas venir à ses fins, l'homme en question en réuni 1531 milliardaires de la liste de Forbes. Et qu'est-ce que la liste de Forbes, Mathieu? Ah, c'est la liste des millionnaires. C'est la liste de ceux qui ont vendu leurs armes aux bonnes personnes. C'est ça, mais voilà. En fait, il s'agit d'un magazine new-yorkais qui a été fondé en 1917, qui publie ce genre de liste-là, qui est vraiment très intéressante sur l'entrepreneurship, puis bon, le leading du world mondial, là, bon, ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est reconnu pour ses panoplies de conneries. Puis il y a également... Ça donne un visage à ceux qu'on haït aussi. Oui, exactement. Mais c'est fun de savoir à qui on s'adresse. Hein? C'est fun de savoir à qui on s'adresse aussi, à la maison. Puis il y a également engagé 30 scientifiques et chercheurs pour faire quoi exactement? Ben, puisque l'être humain n'est pas capable de vivre éternellement dans un corps de chair, on lui en donnera un autre. Celui qu'on vous proposera, celui de plus haute forme technologique. Yeah! Parce qu'aujourd'hui... on est capable de maîtriser la nanotechnologie! Ben, de la maîtriser. Tu veux venir avec moi, Mathieu? Pardon. On développe. T'es en train de me parler de ma psychose. Oui, mais c'est parce que... Ben non, t'as pas peur de ça. Hein. J'aime pas les robots. Je vais rester à côté de toi comme ça. Ben, t'as pas peur des robots, Mathieu. Les aïeux. T'as peur de ce qui est pas humain. Mais les robots, c'est pas humain. Non, non, c'est très, très, très humain. Vas-y, Marianne. Oui, je vais continuer. Non, non, arrête, Marianne, on parle. Merci, merci. Donc, c'est ça. Donc, comme il n'est pas capable de pouvoir survivre avec son corps matériel, tu sais, de chair, on va lui en donner un autre, fait comme un robot. Finalement, c'est un avatar. Donc, c'est ça, c'est une création, une nouvelle vision du développement humain. Hein? C'est comme ça qu'il nous l'annonce. Le meilleur de tout, c'est que le Dalai Lama l'approuve. Ben oui, il est d'accord avec ça, lui. Ben oui, mais en fait, c'est le plus haut chef spirituel bouddhiste. Prix Nobel de la paix 1989. Je te le rappelle, Mathieu. Hein?
Puis c'est aussi le médaillé d'or du Congrès des États-Unis en 2007, qui, je vous le rappelle, est le plus haut, la plus haute distinction civile états-unienne accordée aux individus qui réalisent une action ou service pour la sécurité, la prospérité ou l'intérêt national des États-Unis. Je pense qu'on commence à comprendre. C'est un grand homme. Oui, c'est un grand homme. Et Dalai Lama, si tu nous écoutes ce soir... C'est ça qui est ça. Hein? C'est ce que c'est que. C'est ça qui est ça. Ben moi, je suis pas d'accord que ça va contre la recherche spirituelle de trouver un autre récipient à l'homme humain. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller, Tommy, jusqu'au bout de mon point, puis tu vas voir. Ouais, où est-ce que ouais, t'es mieux d'enlever du linge. Ça. Hey, je te regarde dans les yeux quand tu parles. Mais non, mais j'ai rien d'intelligent à dire parce que je suis une femme. Faut que j'enlève des vêtements. Calisse! Ah ouais, bon. C'est vraiment difficile. OK, fait qu'on va dire que tout ce que tu dis, c'est plus intelligent. OK. Mange la marde. Bon, celui qu'on élève au plus haut rang de la sagesse, notre maître de lumière, qui nous parle si bien du cycle des énergies, du karma, le détachement et la réincarnation, prône encore plus le matériel, parce qu'il faut faire ces robots-là, puis les envoyer à la guerre avant pour les tester, hein? C'est important. Tu sais, il y a des petites vidéos aussi que j'ai mis en arrière. Si tu peux les passer, Tommy. Oui, ça passe tranquillement. Okay. Là, y a... Ben, c'est ça. C'est on en a fait... des douchebags puis du matériel. Oui, c'est ça. En fait, c'est des robots qui ont été testés, qui nous donnent vraiment le goût de les connaître. Il y a, entre autres, une espèce de bestiole qui est capable de courir jusqu'à 28,3 km/h. On l'appelle le robot Cheetah. On peut comme la plaquer, là, puis c'est tout le temps ça qui nous montre. Oui, c'est. D'ailleurs, il y a un autre robot, là, c'est. Peter Walker ou quelque chose comme ça. C'est celui-là qui marche, là. Ouais. Tu peux même le pousser sur le côté, là, comme ça, là. Ouais. Puis il retrouve son équilibre. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais. La seule affaire qu'ils ont, là, c'est parce qu'ils sont pas capables avec les batteries. Les batteries seraient trop grosses. Fait qu'ils peuvent pas encore les envoyer à la guerre. Mais c'est ça, il paraît qu'en fait, que ça fait très, très longtemps que la micro-génétique. La micro-ingénierie est en train de. Oui, parce qu'on est loin de maîtriser la nanotechnologie. Non, arrive à l'ère du diamant. Tranquillement, en fait. Puis je pense pas que le Dalai Lama, il vise une finalité quand il encourage une recherche dans un angle nouveau de la connaissance. Mais continue à être frustré, je t'écoute. Ouais, ouais, c'est bon. Mais non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est tout ça pour dire que quelqu'un qui est en train, tu sais, un maître spirituel qui parle du cycle des énergies, de la réincarnation, puis du détachement matériel, vient me dire que c'est important d'avoir un corps éternel. Il a pas dit ça, il a pas dit ça. Non, non, mais on s'entend qu'il approuve le projet, Tommy. Ben voyons, il y a, mettons là, mettons je te dis, j'ai une fontaine de jouvence pour être immortel, veux-tu une gorgée? Ben honnêtement... C'est pas ça qu'il dit, lui. Lui, il dit à la gang d'êtres humains... Il y a un but que tous les êtres humains ont voulu atteindre et peut-être que la quête de ce but-là est quelque chose qui va nous anoblir tout le monde ensemble. Et à place d'aller contre un instinct primaire que toute l'humanité a développé et démontré depuis tout le temps, il dit il y a manière de faire ça tranquille. Il y a pas le moment où on vit et on meurt et le moment où on est des robots immortels. Il y a tellement d'affaires entre. Puis c'est ça qui est beau, tu sais. Puis je pense que le Dalai Lama, lui, quand il dit ça, son rêve, c'est pas on est tous rendus dans le robot que ça nous tente. Ce qu'il dit, c'est il y a des gens qui vont développer l'humanité et même ça va développer des nouvelles sphères spirituelles. Parce qu'imagine que t'es plugué dans un hard drive puis que là, t'as plus de bras, plus de jambes puis qu'il t'oublie sa galerie pendant 3 semaines. Tu seras pas content d'être un robot. Ouais, mais regarde, moi, je te répondrais là-dessus, là. Ça fait peur. Oui, oui, première des choses, ça fait peur, là. Mais c'est que, au fond, là, tout ça, regarde, au point où l'humain en est actuellement, on n'a pas la sagesse pour pouvoir gérer ces choses-là. On passe notre temps à s'entretuer, on passe notre temps à abuser des flots, on passe notre temps à faire des émissions de TV bénévoles. Absolument, mais tu sais, c'est crime contre l'humanité. À l'infini, on est, tu sais, on s'entend-tu que c'est... T'es en train d'avoir peur de l'inconnu. Non, c'est pas ça, Tommy. C'est pas une bonne nouvelle que tu nous racontes. On est 1531 milliardaires. T'imagines tout ce que tu pourrais régler avec ça? Puis cette technologie-là, on s'entend-tu que c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir l'avoir, mais ces gens qui sont très riches... Oh, et les héros de la société. Qui défont le sol des océans pour pouvoir faire des astidés dans le palmier! Imagine Donald Trump pour toujours. C'est l'horreur. Je veux mourir. Merci, Marianne. C'est l'horreur. On arrive-tu au bout de ton... Ben non, tu me coupes tout le temps. Mais on s'en va. T'as pas raison.
on s'en va faire un vidéo qui est l'introduction. En fait, on va laisser pour quelques 30 secondes pour vous montrer à quel point est-ce que l'humanité est en perdition et à quel point est-ce qu'on a besoin de ces corps de robots. Hein? C'est ta chronique bonne nouvelle à 70%. Mais j'arrive à la bonne nouvelle, Tommy. OK, c'est qu'on va avoir des solutions. Oui? The world is on the verge of global change. The speed of data transmission has increased by multiples of millions. The rate of globally significant events and that of discoveries and crises is growing exponentially. Our civilization is like an uncaptained ship sailing on rough seas with neither chart nor compass, all the while moving faster and faster. The time we have to make the right decisions is shorter and shorter. We are facing the choice to fall into a new dark age, into affliction and degradation, or to find a new model for human development and create not simply a new civilization, but a new mankind. Historic crises show that to break the deadlock, we need technological revolution. It is clear that today's revolution will also require the deepest social transformation. The world's community and leaders should encourage mankind, instead of wasting resources on solving momentary problems, to focus on the technologies of the future. Nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive technology, genetics and robotics. Doing so will allow us to find new sources of energy, create fundamentally new architecture and transportation, allow unprecedented developments of human cognitive abilities, refine artificial intelligences and brain-computer interfaces, simulate complex systems, create humanoid robots and cyborgs, and with the help of nanorobots, we may develop manageable matter. En fait, on va créer des cerveaux artificiels pour mettre l'esprit humain dedans, puis éventuellement dans un corps... Non, mais faut pas avoir peur de ça. Tommy, laisse-moi finir ma chronique, sinon on n'en finira jamais. Alors, c'est ça. Donc, à partir de là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien, mais vous serez entièrement dépendant de la corporation sans laquelle vous ne pourrez délibérément plus vivre, hein? Parce que vous êtes maintenant une machine et vous avez besoin de la corporation. Puis on s'entend, cette corporation pour laquelle est-ce que vous devrez payer des milliards de dollars pour pouvoir avoir votre putain de cyborg? Ben, t'es en train de parler de la politique internationale de tous les pays qui existent. Absolument. C'est une belle métaphore. En fait, savez-vous ce qui se passe en ce moment? C'est qu'avec les cochonneries génétiques modifiées que Monsanto nous donne là, à profusion... Dieu les bénisse! Ouais, et notre mode de vie actuel, on est en train de scraper des générations de corps. La génération... la génétique de l'humanité s'affaiblit à cause des protéines végétales qui, pour notre corps, n'existent pas. Et non! Notre corps ne va pas s'habituer au pognes des cancers! Puis, avec ça, on devient infertile! Ah! C'est le fun! On nous pousse directement vers ça. C'est malade. L'espèce est jeune et inconsciente. Elle possède une technologie qui la dépasse. Croyez-vous que nous serons d'un coup devenus sages à batifoler béatement avec nos nouveaux corps ailés à la mode? Tous êtres humains que confondus, main dans la main? Non! On est tous en train de s'entretuer! Non! Pas tous. Parce que ce seront les milliardaires, en fait, qui pourront se permettre de règle générale. Puis, si t'es milliardaire de règle générale, c'est pas parce que t'as planté des pâquerettes et distribué toute ta vie des sourires honnêtes à tes voisins. Quand Dieu même. Les bénisse! Il y a tout le temps un moment donné que le manque d'amis te rattrape dans la vie. Puis, pas quand t'es un robot, man. Tu vas voir, Marianne, ça va bien aller. Puis ça va bien mieux qu'on pense. Puis en fait, une preuve, c'est qu'on est en train de tellement faire de gaffe en même temps qu'on est en train de prendre plein de leçons d'un coup. Puis tu vas voir, dans deux générations, là, le paysage de l'humanité, là, ça sera pas les mêmes peurs qu'on a eues de nos parents, qu'on est en train de tuer la variété. Les peurs de l'humanité, en fait, ça va être qu'on va être rendu comme... La variété va déjà être tuée, fait qu'on va être en train de se demander comment... On va arrêter d'avoir des manières de faire de la variété. Mais ça va bien, Marianne. Pourquoi en arriver jusque-là, Tommy, pour prendre des leçons? Calisse, hein? Ah ben, c'est ben le propre de nous. À un moment donné, il y avait un autre trou est. Juste à côté du premier, ben, puis t'as essayé, tu sais. C'est le but même de... S'il y avait un autre trou, t'aurais essayé, tu sais. Mais pour toi, en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, parce que j'annonce quand même une bonne nouvelle. Les séries, c'est fini. Non, c'est ça, c'est...
Ça arrive. Mais c'est ça, c'est qu'ils vont avoir, en fait, une réunion qui va être au Lincoln Center le 15 et 16 juin 2013 qui s'en vient. Il y a déjà 25 539 membres. C'est le fun. Puis ce meeting-là, en fait, à 9 h du matin... 25 540, non, attends. Tu sais, à 9 h, on va rencontrer le freak en premier lieu. Après ça, on va discuter de la transformation de l'espèce humaine, de la crise anthropologique et du futur global Intelligent Self-Directed Evolution Guides Making Metamorphosis après... into Immortal Planetary Intelligence. Ça, c'est parce que je peux pas le traduire, parce que c'est vraiment trop... On va devenir des droïdes, genre, et des borgles. Oui, et à 11h25, on prend une pause café, hein? Parce que ça fait pas mal de choses à digérer. C'est une période de questions. Ouais. Pourquoi on deviendrait pas personne? À quand l'homme hologramme? Ouais, c'est ça. T'sais. Ensuite, on va parler de créer l'extension vivante du cerveau humain dans un corps complet de prothèses et de substitutions de fluides corporels et de réseaux nerveux. Oh, ouais, c'est mon pénis. À 1h15, Nigel Acklin nous parlera de l'ordinaire extraordinaire, la vie avec des bras bioniques. Hein? Et blablabla. Bla, bla. L'heure du lunch est à, attention, 13h55 jusqu'à 15h05. Non, plus besoin ça, de lunch. Ça, je l'ai pas compris. Ça, 15h05. Ouais, non, je l'ai pas compris. Puis ça se poursuit pendant 2 jours. Ouais, hein? c'est comme anal en plus de mettre des. Il me semble tu peux y aller aux 15 minutes ou aux demi-heures. Ben ouais. Moi, j'ai pas mon Là, t'as 3 minutes de retard. Non. Mais finalement, en conclusion, ma bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore en 2045 puis il y a moyen de faire contre. Ça va bien aller, Marianne. Moi, c'est ma bonne nouvelle. Rock'n'roll! Oh, y a des gens très compétents là-dessus, tu vas voir. Toi, par exemple? Oui, entre autres. Oh. Il y a l'autre juste à côté de toi. Il y a celui qui s'en vient juste après, d'ailleurs. On va écouter un petit dernier clip et ça va être notre excellent Emmanuel Côté-Séguin qui va venir m'aider... à faire ton deuil. Ouais, ben pour vrai, j'ai failli t'écrire. J'ai écrit un long mail. Il y avait de la haine. Puis là, ton doigt est resté suspendu au-dessus du bouton. Exactement, j'ai attendu au lendemain. Ouais. Finalement, je l'ai mangé. Puis voilà, on va en parler tantôt. Peux-tu juste dire quelque chose? Parle-moi du Dalai Lama, là. Tommy... Il nous a pas trahis, là. Hey, non, il nous a pas trahis. Okay. Moi, je pense que le Dalai Lama, en fait, ce qu'il veut amener avec ça, c'est l'ouverture d'esprit et peut-être l'autocritique de l'humanité face à l'échec, peut-être même très cuisant de ça. Exactement. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que le Dalai Lama, dans sa philosophie la plus profonde, ne déteste pas son ennemi, si tu veux, il n'y a pas d'ennemi. Ouais, et il l'a déjà dit aussi par rapport à la Chine. Je peux dire, admettons, quelqu'un qui tue des enfants, je l'approuve pas. Ben non, mais ça n'a pas rapport. Mais on n'est pas maître des autres. En fait, il n'y a personne jamais qui va dire le gars qui tue des enfants, je l'approuve. Ouais, mais le gars qui dit qu'il n'y a que les milliardaires qui vont pouvoir se payer des corps bioniques alors que le reste de la masse. C'est toi qui décides ça. Non, mais c'est toujours comme Tommy. Ça. Il n'y a que les milliardaires qui vont pouvoir se payer les premiers corps bioniques. Voilà. Puis la technologie, c'est quelque chose qui est exponentiel. On n'est même pas capable de gérer notre humanité. Calisse qu'on est capable de... Mais ça, c'est le contraire de l'argument que tu viens de dire. Si tu dis « tout l'humanité est gérée selon des préceptes qui la stratifient et qu'il n'y a que les plus riches qui vont être capables de se payer ça », tu peux pas dire après... Toute cette affaire-là, c'est un foutra total qui est pas géré parce qu'il y a du monde qui sont pas des riches qui vont être capables de se payer ça. Non, mais... Ça va mieux que tu penses. L'humanité, c'est plein de créativité. C'est ça qui est le plus beau. À toutes les fois que tu lui donnes une manière de s'exprimer, elle prend les barrières que tu pensais qui étaient là puis elle transforme ça en tremplin pour aller vers d'autres choses. Puis à toutes les fois, ça s'est bien passé. Puis en fait, à toutes les fois, ça l'a été mieux. Depuis l'âge de la science, de la raison, d'avoir le droit de poser des questions, d'avoir le droit de ne pas être coupable parce que tu te fais accuser, tout va de mieux en mieux, sauf les médias. C'est pour ça qu'on est là. Aussi, j'aimerais ajouter que je suis entièrement d'accord qu'il y a une fausse dans ça. Moi, j'ai pas envie de devenir un robot, tu sais. J'ai pas envie de me faire... Ben, jusqu'à un certain point. La limite que j'ai, moi, là-dedans, c'est je veux pas ça, donc n'imposons pas ça aux gens. Ben voilà, j'ai aucun problème comme avec ça. Comme la puce ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ma limite personnelle, tu sais, parce que sinon... Comme la quoi? La puce cutanée. Ouais, la puce cutanée. En fait, ça a commencé cette année, là, aux États-Unis. Bon, ça a commencé, ça fait longtemps. Il y a des gens qui ont... En fait, c'est les bracelets sécures qui ont commencé avec ça.
Puis c'est encore une fois, oui, c'est pas correct, mais le but, c'est pas d'avoir peur de ça puis d'imaginer le pire plus tard. Parce qu'à toutes les fois, ça peut être une affaire utile. Pis là, je te dis pas ça parce que je suis un innocent qui ne remet rien en question. Mais faut pas avoir peur de l'humanité. Moi, j'ai peur ce que l'humanité fait, en fait, avec ces technologies. C'est surtout ça de quoi j'ai peur. Ouais. C'est, ben j'ai pas... Mais faut poser des questions. Honnêtement, c'est je trouve ça, magnifique ça. Tout ce qu'on peut créer. Je veux dire, ben tu sais, oui. de créer des machines où est-ce qu'on peut transférer l'esprit, c'est complètement fou. Là, mais c'est ça aussi. Oublie pas que 2045, là, c'est pas vrai, là. Eux autres qui ont écrit ça. C'est le ultime. Tu sais que la NASA, en 2010, il y avait du monde qui vivait sur Mars, selon eux autres, quand ils ont commencé le programme lunaire. C'est pas vrai, là. Le média dit ils mettent de l'argent plein. Il évalue ça, la courbe. Dans un an, le budget diminue de moitié parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés sur le premier. C'est tout le temps de même. Non, c'est sûr, mais je veux dire. Tu sais, il n'y a pas de. C'est pas Free Jack. Faut pas que tu aies peur de ça. Tu seras plus là. Je m'en fous. C'est pas une question que je sois plus là. C'est une question d'humanité. Ouais, on pense. On écoute la fin de Moon Martin. Ça va... Tu comprends, Matt? Mais toi, ton humanité, ben, t'es en train de la limiter. Moi, je la limite pas. Ben non, c'est ça. Lui aussi, il comprend, je pense. Elle prend le place, Emmanuel. Là. Prenez l'autre micro, là puis on va écouter. Moi, je vais faire un deuil sur une affaire calme. Vraiment importante. Merci d'être venu partager, Marianne. C'est correct, je vais revenir. Parce que Gunther est bien plus hot que l'humanité. Ah non, c'est encore vraiment... Ah là là. 2.1, man. Bah ouais, t'es là. Hey, ho, salut tout le monde. Bonjour. Salut, Tommy. Salut, Emmanuel. Hey, merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à maintenant. Là. On est à veille de flasher lumière. Là. On dépasse puis tout. Oh, ah ouais, bah, Guy est choqué, mon gars. Il est choqué noir. Ah, il en veut plus. Il est choqué noir. Je t'ai mis le background de Giz parce qu'on s'en ennuie. Ah, ben d'accord. On le salue par le background. Et voilà, parle-moi. Oui, hey, ben oui, ben là, c'est la fin d'une belle aventure, parce que ça arrive. C'était la fin d'une belle aventure. C'était la fin, fait que là, j'ai fait un petit épilogue pour, comme je disais au début de l'émission, boucler la boucle et passer à autre chose. Alors, voilà. Brunilda regardait par la fenêtre, les yeux se perdant vers l'horizon. « Dis-moi pas que tu penses encore à ton beau Gaetano. Ça fait 10 ans qu'il est parti. Je pensais que notre arrangement t'allait encore. Tu me l'as dit si jamais... On arrête tout, lui dit Pietro, l'aubergiste, interrompant ses rêvasseries. Brunilda se contenta de chasser les inquiétudes de son mari du revers de la main. Bien sûr, leur arrangement n'était pas le meilleur, mais chaque partie y trouvait son compte. Abandonnée par Gaetano à la suite de son ultimatum, Brunilda l'avait attendu quelques années avant de se résoudre à l'évidence. Pietro lui fournissait une situation des plus désirables et stables, ce qu'elle avait toujours voulu. Quant à ce dernier, il était heureux de pouvoir faire taire les rumeurs les plus en plus insistantes sur l'angle dans lequel penchaient ses épanchements. Bien sûr, tout ceci n'était que poudre aux yeux et billes baisées. Leur arrangement s'arrêtait dans le privé de la chambre à coucher et suivait le modèle récemment abandonné par l'armée US of A.N. Laissons notre couple improbable pour aller voir ce qui se passe dans une petite fermette à quelques lieues de là. Retrouvons les deux filles du fermier, maintenant seules à s'occuper du domaine familial depuis la mort de leur bourru paternel. Seules? Non. Un petit clin d'œil à Cérix. Un homme étrange au comportement parfois dangereux les aide dans certaines des tâches les plus physiques. Il avait fallu quelques essais et erreurs pour réussir à canaliser l'énergie apparemment inépuisable du gaillard, mais c'est lorsqu'en tentant de défendre ses deux filles, le fermier avait lancé un caillou à celui qui se faisait appeler Gunther qu'il s'était aperçu de sa fascination pour tout ce qui était minéral. Le fermier avait alors quitté son domicile au petit matin pour s'acquitter du train pour trouver le guerrier immobile au-dessus du corps sans vie de celui qui se prétendait son compagnon la veille. C'est alors que s'était passée l'empoignade au cours de laquelle le fermier avait détourné l'attention de l'homme possédé avec une simple pierre. À partir de ce moment-là, ça n'avait été qu'une question de créativité et de gestion de la rocaille pour l'inciter à faire des besognes comme ériger un muret, sarcler les sillons, tirer une charrette en essayant d'attraper une roche suspendue à une corde devant lui. C'est bon. Alors, voilà, fin. Hey, c'est un happy end furieux, j'adore ça, Emmanuel.
Pietro, tu me l'as ramené, man. Ouais, Gunther est là. Gunther est là. Puis c'est ça qui se passe. Merci. Alors ça... voilà, c'est la fin. Est-ce que ça a mis un peu de baume sur tes plaies? Ben, je te dirais que j'ai vécu des nuits très difficiles. Mais je pense que celle que je vais avoir prochainement va vraiment être top. Fait que là, c'est quoi la suite? Fait que là, bon, ben, pour la prochaine aventure, je vais vous demander de voter, dans le fond, pour le contexte dans lequel ça va se dérouler. Première option, ça peut être une autre aventure fantastique, parce que dans la plus fidèle tradition des romans dont vous êtes le héros, hein, un peu comme on avait vu Blue avec Gaetano. Solitaire, puis Gaetano, voilà. Ben, un peu le même style de contexte. Là, c'est ça. Sinon, une aventure d'exploration spatiale, pourquoi pas? Ouais, la date est originale. Ou une histoire de ninja. Oh! Je sais pas comment ça va virer, ça. Là. Sérieusement, je l'ai mis là, puis je sais que tout le monde va voter pour les ninjas. Ben, mais en un autre. Mais, ben, t'as-tu une suggestion? Ok, attends un petit peu. L'histoire de la descente aux enfers de Luciano Pavarotti. Non, l'autre, là, le... Ouais. Le gay, là. Ah, j'ai oublié son nom juste au bon moment. Marc Dupré. Liberace. Liberace, moi c'est ouais, sa descente aux enfers. Là. Mm-hmm. On revoit Dante ouais. dans Liberace. ça va se prêter super bien, ça. Genre, il y a des costumes à l'infini. Ben oui, il y a des portes différentes en enfer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, ça peut difficilement mal finir. Bon, on va repenser. Anyway, c'est la même formule que d'habitude. C'est d'aller sur. La même formule. Vous allez sur Facebook 70%. Je vais fermer les votes vendredi de la semaine prochaine. Puis je reviens dans 3 semaines. On va sauter une semaine, passer la Saint-Jean. Puis on va faire le party. T'es tellement influençable. Moi, je fais pas ça. Je suis au show. Je reviens pour la fête du Canada. Là-dessus, Emmanuel, je t'écoutais en déparlant, en fait. Gars, tu vois, t'es compteur niveau 9. Ouais. Mais on vient de finir notre première aventure avec toi, donc vis-à-vis toute l'autorité qui m'est décernée et les pouvoirs qui m'appartiennent du fait que je suis hot en crise. Emmanuel côté Séguin, voilà niveau Paf. 10. Paf. À voilà. partir de là, tu peux faire des sorts de la sphère ouais. de feu, d'eau et tu connais à n'importe quel moment la présence de Yannick Margeau. Oh shit! Mais c'est pas utile parce que c'est Yannick Margeau. Puis j'aimerais saluer le Dalai Lama, ça a l'air que c'est un de nos fidèles auditeurs. Oui, ben d'ailleurs, Dalai qu'on dit dans la gang. Salut, Dai. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être resté avec nous jusqu'ici. On a vécu des beaux moments. Hein. Ben, c'est quand même. Toi, t'as-tu aimé ça quand, tu sais, finalement, il était mort, le gars, tu savais pas, tu sais, il y avait une flèche dans la tête, puis on dansait avec. Il était comme ça, puis là, c'était drôle. Un week-end chez Bernie. Non, c'était... Ah oui, c'est vrai, ça, je pensais que c'était ma graduation. Hey, merci beaucoup, Emmanuel, merci à Bruno. T'as été extrêmement indispensable et présent à cette émission-ci. Bruno, j'ai besoin de toi et Mathieu parce qu'on va faire un comprendre sur... Merci à Mathieu Boudreau, l'excellent. Merci beaucoup à Julien Bernatchez. On a hâte que tu reviennes à l'automne. C'est tout le temps un plaisir quand t'es là parce que toi, t'écoutes. Je regarde tout le monde des yeux en disant ça. Merci aussi beaucoup à Marianne, le gars. Marianne, là, hein? On va te faire un câlin tantôt, là, c'était bien correct. Elle est bien fâché noir. Ben oui, le Dalai Lama est en train de ditcher Gandhi. Là, voyons donc. Ah non, mais t'imagines? Puis anyway, t'échanges jamais un Gandhi recru contre le Dalai Lama. T'imagines cyber Gandhi, man? C'est la dernière phrase de ce show-là. Merci tout le monde.